na wakati ya kushiriki nanyi mzuri wakati mzuri. Mes jours arrivent déjà vers la fin. Basi siku zinafikia mwisho. Le pasteur a voulu que je vienne vous dire au revoir. Mchungaji alifurahia nikuja kuambia bye. Alors il m'a cédé sa place pour vous parler encore à nouveau. Na kanipatia nafasi yake kusudi niongee nanyi tena. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mungu abariki jioni ya leo. Qu'il bénisse notre pasteur. Abariki mchungaji wetu. Nous allons directement prendre la Bible. Tutabeba basi Biblia. Prenons le livre de la Genèse. Tubebe kitabu kia mwanzo. Chapitre 12. Mwanzo sura 12. Lisons les trois premiers versets. Tusome sura ya kwanza hadi sura ya tatu. L'Éternel dit à Abraham, Waminena kamwambia Ibrahim, va-t'en de ton pays, toka nchini mwako, de ta patrie, katika mji wako, et de la maison de ton père, na katika nyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai, na wende katika nchi ndakuonesha, je ferai de toi une grande nation, basi nakufanya wewe kuwa taifa kubwa, et je te bénirai, na ndakubariki, je rendrai ton nom grand, naifanya jina lako kuwa kubwa. Et tu seras une source de bénédiction. Nawe utakuwa chemchemu za baraka. Je bénirai ceux qui te béniront. Mimi ndabariki akubarikiaye. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na ndalaani yule kulaani. Et toutes les familles de la terre. Na jamaa zote za duniani. Seront bénies en toi. Zitabarikiwa ndani yako. Amen. Amina. Nous sommes toujours à la Genèse. Nous prenons le chapitre 13. Tubebe sura 13. Verset 16. Aya ya saba. Kwa mstari wa saba. 16. 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ndaifanya uzao wako kama udongo. De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ili kama vile mtu anaweza kuhesabu udongo, ta postérité aussi sera comptée. Nasi pia uzao wako utasabilika. Enfin, nous prenons Genèse 15. Pia tunatobeba Mwanzo 15. Le verset 5. Mustari wa 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, kisha kumutosha nje akasema, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Angalia juu na uhesabu nyota. Si tu peux les compter. Kama unaweza kuhesabu. Il lui dit, telle sera ta postérité. Na kamambia, hivyo ndivyo itakuwa uzao wako. Tuombe. Si riche, si profond. Alléluia. Malaki sura ine. Et dans ces temps de la fin,
comprendre que nous t'appartenons. C'est ta grâce, Seigneur. C'est la grâce qui nous a donné le message. C'est la grâce qui nous donne la vie. Et c'est la grâce qui nous a amené ce soir. Merci, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, tu puisses nous parler de cœur à cœur. Et que tu nous donnes, Seigneur, ta présence dans nos vies. Bénis les pasteurs. Bénis tous les collaborateurs. Bénis cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons parler sur un petit message. Tutasema juu ya ujumbe ndogo. Sortant de cette lecture biblique, inatoka katika usomi wa Biblia. Nous allons l'intituler de la poussière aux étoiles. Na tutaisema kutoka uvumbi hadi kunyota. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle avec Abraham. Ni Mungu anasema na Ibrahimu. Au chapitre 12. Musura ya 12. Il a parlé avec Abraham dans le langage de tout le monde. Alisema na Ibrahimu musemo ya kila mtu. Un langage normal, naturel. Mumisemwa ya kikawaida. Il dit, Abraham, nakasema Ibrahimu, va-t'en de ton pays. Toka nchini mwako. Quitte la maison de ton père. Toka nyumba ya baba yako. Quitte ta patrie. Toka nchi yako, mataifa yako. Va là où je te montrerai. Enda pale kwenda kuonesha. Parce que je vais te bénir. Kwa sababu mimi nakubariki. Mais d'abord sors. Lakini ya kwanza toka. Et Abraham a obéi à la voix. Na Ibrahimu akatii sauti. Dieu lui dit, non pas seulement je vais te bénir. Mungu akumwambia tu nakubariki tu. Mais je vais faire de toi. Lakini ndafanya kwako. Une source de bénédiction. Wewe ukwe chemchemu ya baraka. Toutes les familles de la terre. Jamaa zote za duniani. Seront bénies par toi. Zote zitabarikiwa na wewe. Donc Dieu l'a béni. Ni kusema Mungu alimubariki. Dieu a fait de lui source. Mungu akamfanya yeye kuwa chemchemu. Pour bénir aussi les autres. Kusudi abariki naye wengine. Et je pense que ce soir. Na nawaza jioni leo. Si Dieu nous demandait. Kama Mungu anatuuliza. Que tu veux être béni. Unapenda kubarikiwa. Ou tu veux être une source de bénédiction. Ama unapenda wewe kuwa chemchemu ya baraka. Je choisirai la source de bénédiction. Basi mimi nachagua ni kuwa chemchemu ya baraka. Parce que être béni, kwa sababu kubarikiwa, c'est comme on t'a donné l'eau dans un réservoir. Ni kama vile kupatia maji sa vile mkopo. Dans un vase ou dans un bidon, ça va finir. Bata mvase munani chombo moya bidon ama base. Mais si tu es la source, lakini kama wewe ni chemchemu, c'est intarissable. Basi ya ikauke kamwe. Les gens viennent puiser. Watu wanafika kila wakati kushota. Jusqu'à être fatigué. Mpaka wanachoka. Et je veux que Dieu te fasse une source. Na mimi napenda Mungu akufanye wewe ukue chemchemu. Parce que tu es la semence d'Abraham. Kwa sababu wewe ni uzao wa Ibrahimu. L'alliance que Dieu conclut avec Abraham. Na ile agano Mungu alimpatia Ibrahimu. C'est aussi pour ses enfants. Ni kwa watoto wake pia. Et regarde comment il lui promet la postérité. Angalia namna gani analaka ile uzao. Quand il veut lui donner la postérité. Wakati anapenda kumpatia uzao. Dieu change de langage. Mungu anabadilisha masemi. Il laisse le langage de tout le monde. Anakapata masemi ya watu wote. Il laisse ça. Anaacha ile. Il prend un langage mystérieux. Sasa yeye anakapata sa misemo ya miujiza. Il a parlé avec Abraham. Akisema na Ibrahimu. Dans un langage zodiacal. Maile msemo ya Job. Un langage codé. Ile msemo inafungwa. Que des prophètes eux-mêmes comprennent. Yule tu nabii anaweza kuelewa. Il dit Abraham. Anasema Ibrahimu. Compte la poussière. Wewe Esau uvu mama mchanga. Parce que Abraham pleura. Kwa sababu Ibrahimu akalia. Il dit tu dis tu vas me bénir c'est bien. Ibrahimu akasema unampenda kunibariki ulisema ndio bwana. Je suis content de ça. Mimi nafurahia ile. Mais lakini je n'ai pas d'héritier. Mimi sina murizi. L'héritier de ma maison. Basi murizi wa nyumba yangu. C'est Eliezer. Ni Elisha. De Damas.
C'est un serviteur. Et Dieu a dit à Abraham, la bénédiction que je te donne, c'est aussi avec la postérité. Que Dieu soit loué. Je veux que celui qui est stérile, qui écoutera ce message, puisse vivre cette bénédiction. Ce que Dieu a donné à Abraham, c'est pour sa semence. En Israël, il n'y a pas de stérilité. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, contre la poussière de la terre, Abraham dit c'est impossible. Personne ne peut compter la poussière. Il dit telle sera ta postérité. Et il lui dit encore, lève tes yeux contre les étoiles. Si tu peux le compter, telle sera ta postérité. Dieu Mungu a parlé avec Abraham, akasema Ibrahim, dans un premier temps, wakati moja, il lui a montré sa semence, sa postérité, akamonesha uzao, ama watoto wake, comme la poussière de la terre. Kama vile mchanga kudunia. Or, japo, la poussière de la terre, mchanga kudunia, c'est ce que les gens marchent dessus. Ile watu kuna kanyaga. La poussière de la terre peut être piétiné par les gens. C'est l'humiliation. On est piétiné. On est foulé aux pieds. Mais ce n'est pas ça la fin. Après, il lui montre cette même postérité comme les étoiles. Or l'étoile, pour les regarder, il faut hocher la tête. Un langage pour dire Abraham, ainsi sera le parcours de ta postérité. Ils iront de la poussière aux étoiles. Quand ils sont la poussière, ce n'est pas la fin. Il y a un espoir. Il y a une espérance. Ils vont quitter la poussière. Et ils vont aller aux étoiles. Et c'est ça notre message. De la poussière aux étoiles. Amen. Amen. Élisons un peu Fabrana. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Kwanini ilibiti kwa wachungaji, maubiri. Paragraphe 218. Kifungo 218. Il est dit dans la prière. Araisa maombi. Oh Dieu. Eh Mungu. J'ai prié ce soir. Na omba jioni ya leo. Que pendant que nous avons nos têtes inclinées. Wakati kuna vichwa vikiinua. Vers la poussière d'où tu nous as tirés. Ikishushwa kwenye udongo wale ulitotosha. Une fois. Maramoja, tu as dit à Abraham, le grand prophète berger, ukamwambia Ibrahim, nabi mchungaji, va dehors, Abraham, toka Ibrahim, et compte les grains de sable, na uhesabu mchanga, qui sont sur le bord de la mer, kwenye ziko karibu na bahari, et il a pris la parole et t'a répondu, na kamata neno akasema kajibu, c'est innombrable. Haiwezi kuhesabika. Je ne saurais le compter. Nami sitaweza kuhesabu. Puis tu lui as dit. Kisha ukamwambia. Lève les yeux vers les cieux. Inua macho yako juu. Et compte les étoiles. Na wewe hesabu nyota. Et il s'est rendu compte que c'était impossible. Na Ibrahim akaona kama haikuwa inawezekana kuhesabu nyota. Et tu lui as dit. Na Mungu akamwambia. Ainsi sera ta postérité. Na hivi itakuwa uzao wako. Nous regardons à ce message. Na sisi tunaangalia hii ujumbe. Adressé à ce prophète berger. Inaambiliwa kwa yu nabii mchungaji. De la poussière de la terre. Kutoka udongo wa dunia. Aux étoiles du ciel. Baka nyota za mbinguni. Montrant que. Zikionesha kama. Même si y a la mort dans nos corps. Hata kama kuna kifo katika mili zetu,
pour nous amener à la poussière, il y a une vie qui peut nous élever jusqu'aux étoiles. Comme tu l'as dit à ton grand prophète Daniel, et ceux qui connaîtront leur Dieu dans les derniers jours feront des exploits, et ceux qui ramèneront plusieurs à la justice brilleront plus que les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alléluia. Frère Branham décode le message. Il dit ce que Dieu parlait à Abraham. C'est fait un message. Il quoi ujumbe. Que la semence d'Abraham. À un moment, la mort va le frapper. Qui faut itawapiga? Tu peux mourir debout. Les choses ne marchent pas. Tu habites bien. Rien n'avance. Et ils seront la poussière. La mort les rend à la poussière. Il dit, mais ça ne sera pas tout. Après, par la résurrection, tu vas les élever jusqu'aux étoiles. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi, kwa ajili yako, qui semble perdre l'espoir, we unafanana kupoteza tumaini, qui semble voir que rien ne peut plus marcher, unafanana kama hakuna kitu kitaweza kutembea tena kuendeka mbele, qui semble comprendre que pour toi, unajaribu kuelewa kama kwako, tu es venu seulement accompagner les autres, ulikuja kusindikiza watu wengine, c'est l'étape de la poussière, ni wakati wa udongo. Mais ce n'est pas ça la fin. Sikia, lakini hayakuwa mwisho. J'ai fait beaucoup de jours au message. Nishafanya siku mingi mu ujumbe. Ma vie ne change pas. Maisha yangu haibadiliki. J'aime prier. Napenda kuomba. Comme un chrétien. Kama vile mu Kristo. Mais je n'arrive pas. Lakini sifikie. Quand je vois les autres vivre la parole, wakati naona wengine wanaishi neno, moi je suis toujours dans la poussière. Kila wakati niko kwenye udongo, chini tu. Je peux même abandonner. Na usita kuacha. No. Hapana, jamani. No. Hapana. Dieu, Mungu, dès le commencement, kutangia mwanzo, il t'a vu, alikuona dans cet état-là. Ma ile hali uko nayo. Et la profondeur qui est en toi, na ile kilindi iko ndani yako, ça appelle une autre profondeur. Inaita nyingine kilindi. Reste là, ne sois pas découragé. Na pale wewe usifadhaishwe. Si spirituellement tu es dans la poussière, kama kiroho katika udongo, ne sois pas découragé. Hapana kufadhaishwa jamani. Sois attentif. Wewe kuwa tu msikilifu. Wewe ngoja. Mungu va te faire quitter la poussière. Atakutosha kwenye udongo. Tu vas aller aux étoiles. Mpaka kwenye nyota. Financièrement, kipesa. Matériellement, hata vitu. Même si ta santé ne marche pas, hata kama afya yako haitembei kabisa. On a prié plusieurs fois. Washaomba siku mrefu. Et il y a pas les changements. Lakini hakuna mabadiliko. Ne sois pas découragé. Wewe usifadhaishwe. Dieu t'a vu comme ça. Mungu alikuona vile. Il t'a vu un long moment dans la poussière. Alikuona wakati mmoja katika udongo. Mais ça ne passe à la fin. Lakini haiko mwisho. Il va te faire quitter la poussière. Atakufanya kutoka udongo mashini. Paka kwenye nyota. Alléluia. Alléluia. Les gens qui te piétinent aujourd'hui, kuzaraulea kukukanyaga chini. Demain, kesho, ils vont hocher la tête. Watainua kichwa. Pour te regarder. Kusudi wa kuchunguza ama kuangalia. Ils vont te saluer. Watakusalimu. Avec respect. Na heshima yote. C'est un parcours. Ni mwenendo tu, ni wakati. Abraham prend ça. Abraham anabeba ile. Il connecte avec Daniel. Anayambatanisha na Danieli. Daniel a vu. Daniel aliona. Que à la fin, kama wakati wa mwisho. Parce que Daniel a écouté des choses. Kwa sababu Danieli alisikiliza vitu. Des tonnerres. Miho
ama ngurumo. Ça c'est quoi la vie de Daniel? Zilitingiza. Daniel a voulu comprendre. Daniel alipenda kuelewa. Il veut commencer à écrire. Akapenda anza kuandika. Dieu lui dit tu vas écrire quoi? Mwaka muuliza we Daniel unataandika nini? Qu'est-ce que tu comprends? Unaelewa kwanza nini? Laisse ces choses. Acha hivi vitu. Mais lakini à la fin kwa mwisho wakati wa mwisho hivi vitu vyote seront révélés. Vitafunuliwa. Et ce qui écouteront. Na wale watakaosikiliza watatakaswa. Seront blanchis. Watakuwekwa kwa weupe. Alléluia. Alléluia. C'est la sanctification mystérieuse. Ni utakaso wa kisiri. Sans beaucoup d'efforts. Bila hata nguvu mingi sana. Vous restez là. Wewe unabakia pale. Vous écoutez. Unasikia. La révélation de cette ile ufunuo wa miuri saba. La purification. Ile utakaso. Vient spontanément. Inakuja kwa kipekee. Tu es là. Wewe uko pale. Tu écoutes. Unasikiliza. Tu dis amen. Unasema amina. La sanctification. Ile utakaso. Vient. Inakuja. Automatique quoi qui péché. Alléluia. Alléluia. Il dit Daniel. Anasema Danieli. Laisse. Acha jamani. Kakimia. Et en ces jours-là. Na quand il est siku zile. Quand ça sera révélé. Wakati bitafunuliwa. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Wale watakaye mutambua makumujua Mungu wao. Ils feront des exploits. Watafanya maajabu ama mavitu vikubwa. Hallelujah. Hallelujah. Les exploits de la foi. Ile vitu vikubwa matukio ya imani. Oui monsieur. Ndio bwajabani. Dans la foi. Katika imani. Il y a des exploits. Kuko maajabu ama vitu vikubwa. Si c'est d'autres fois. Kama ile yo wakati yolipita. Ils ont connu Dieu. Waliona kumchua Mungu. Et qu'ils ont fait des exploits. Na wakafanya maajabu. C'était sous le sang des animaux. Ilikuwa chini ya damu ya nyama. Amen. Hallelujah. Même dans le Nouveau Testament. Hata katika gano la kipya. Ils étaient dans l'ombre. Walikuwa katika kivuli ama katika mfano. La réalité. Sasa kuonekana wazi. C'est aujourd'hui. Ni hapa leo. Si aujourd'hui, kama leo, toi tu connais ton Dieu, wewe unamtambua ama kumjua Mungu wako, tu vas faire les exploits, utafanya vitu vikubwa maajabu, sema haleluya, tu vas faire les exploits, utafanya vitu vikubwa maajabu. Alors il faut dire, nataka kusema, mon âme, nafsi yangu, même si je vois la poussière aujourd'hui. Kama leo naona uvumbi ama uchanga. A moi, ndani yangu, il y a les exploits. Kuko vitu vikubwa. Parce que Dieu m'a dit, kwa sababu Mungu aliniambia, que j'irai de la poussière, kama natoka kwenye udongo, aux étoiles, paka kwenye nyota. Et je crois ça. Na amini ile kabisa. Si ça ne marche pas aujourd'hui, kama leo habitembeye, demain, kesho, ça marchera. Pita tembeya jamani. Qui peut dire amen? Et tu sema amina. Qui peut dire amen? Na nasema amina. Qui peut dire amen? Na nasema amina. De la poussière kutoka udongo aux étoiles pas kwenye nyota. Fabana me dit quelque chose. Tu vois namasema kitu fulani hapa. Dans la prédication les grands et puissants conquérants. Katika mahubiri yule mpiganaji mkubwa aisheshindwa. Paragraphe 22 kifungo 22. Il dit ceci. Anasema hivi. Avant qu'une quelconque victoire soit remportée, mbele ushindi ubebwe, des grands prix doivent être payés. Pays ya samani ama bei kubwa inapaswa kuanza kulipiwa. Amen. Amen. Avant Bele. De remporter la victoire, ubebe ushindi, des grands prix doivent être payés. Bei kubwa inalomba kwanza ilipiwe. Oh, quel prix! Basi bei gani? Et des fois ils sont très importants. Na mara tena ni ya muhimu sana. Cela laisse de grandes cicatrices. Na ile inaacha madoa doa mengi. De déchirement. Ile kupasuliwa.
Il faut payer le prix. Inabidi ulipe bei. Pour avoir la victoire. Kusudua upate ushindi. Le chemin du ciel. Njia mbinguni. Est un chemin rocailleux. Ni njia ya kabisa kuchama nchi mawesana. Un chemin piégeux. Njia inakuwa mitego mingi. Un chemin épineux. Njia kabisa ya kuteswa. Si tu marches là. Kama kutembea pale. Tu dois devenir un combattant. Unapasha kwa mshindaji jamani. Alléluia. Alléluia. Celui qui va être dorloté. Yula la peine kubembelezwa bembelezwa. Ne va pas avoir la victoire. Hata pata ushindi. Parce que pour avoir la victoire. Kwa sababu kusudi upate ushindi. Il faut combattre. Inabidi wewe upigane kabisa. Dans le chemin du ciel. Kwa ile njia ya mbinguni. Il y a des cicatrices. Kuko madodo ama ukovu. Des déchirements. Kupasuliwa. Il y a des épreuves. Kuna vipimo. Il y a des tentations. Kuna majaribu. Il y a des choses graves. Kuna vitu vikubwa kabisa. Tu peux regarder. Unaweza kuangalia. Tu dis moi j'abandonne. Na unasema mimi hapa mimi naachi hapa. Mais combattant. Mpiganaji. Ne va pas abandonner. Hawezi kuacha vita la yashinda. Il ira jusqu'au bout. Yeye ataenda mpaka mwisho. Il faut avoir des cicatrices. Inabidi kwa kabisa na ukovu. Il faut avoir des déchirements. Inabidi kwa na kupasuliwa. Oui, il faut vidonda. Payer le prix. Ndio inabidi kulipa bei. Il faut payer le prix. Inabidi ulipe bei kabisa. Pour avoir la victoire. Kusudi upate ushindi. Mais, lakini, pour avoir la montagne, kilima, nous devons avoir la vallée. Tu n'as pas cherché quoi ça n'a bondé. Avant d'avoir le soleil, câble au patio, le soleil. À quoi on est chua? Nous devons avoir la pluie. Tu n'as pas cherché quoi ça n'a foua. Avant d'avoir la lumière, câble de patanuru. Nous devons avoir la nuit. Kwanza tunapasha kuwa na usiku. Avant d'avoir le vrai. Kabla hujaona vitu vya kweli. Il faut qu'il y ait d'abord le fort. Kwanza vya bongo vikue. Sinon. Kama iko vile. On ne saurait jamais ce qui est le fort. Hamutajua kia bongo ni kia wapi. Tu veux la montagne. Unapenda mulima. Tout le monde aime la montagne. Kila mtu anapenda kama mulima. Mais. Lakini. D'abord la vallée. Kwanza bonde. Amen. Si tu es dans la vallée, ne sois pas découragé. Être dans la vallée, c'est la preuve même. Tu seras à la montagne. Avant d'avoir la montagne, il y a d'abord la vallée. C'est comme ça que Dieu avait amené son prophète. Ézéchiel. Ézéchiel. Il l'a transporté. Jusqu'à la vallée. Et dans cette vallée, il y avait les ossements desséchés. Ces ossements desséchés. Ile basi ile mifupa kukauka jamani. Était une fois des hommes en bonne santé. Ilikuwa kwanza watu wenye afya nzuri. Mais des choses sont arrivées. Lakini vitu vilifikia. Ils sont devenus ce qu'ils étaient là. Wakakuwa vile balikuwa. Et Dieu dit à Ézéchiel. Na Mungu akamuuliza Ézéchiel. Fils de l'homme. Mutu, mwana wa mtu. La façon dont toi tu regardes. Munamna wao uko nachunguza. Est-ce que ces os. Eti mifupa hii. Peuvent-ils revivre. Inaweza tena kupata uzima. Hallelujah. Hallelujah. Ézéchiel dit. Ézéchiel akachibu. Pour moi l'homme. Kwa mimi mwanadamu vraiment c'est difficile kwangu kabisa haiwezekani. Mais toi lakini wewe tu le sais wewe unajua. Hallelujah. Amen. Lorsque les choses sont bloquées wakati vitu binafungwa il faut donner cette réponse. Unayopasha kupata ile jibu. Dis à Dieu. Ambia Mungu. Seigneur Bwana tu le sais wewe unajua. Tu sais, unajua, quelle sera l'issue, nini takua, de ces choses, matukia ibitu hii. Tu le sais, wewe mwenyewe unajua. Dieu dit alors, akasema sawa, je prends mes paroles, basi nabeba masemo,
je mets dans ta bouche. Va parler aux anges. Prophétise sur ces anges. Dites-leur. Ossement desséché. Écoutez la parole du Seigneur. Sikia nelo la Bwana. Ils étaient dans la vallée. Mifupa ilikuwa katika bonde. La vallée. Bonde. Ce n'est pas la fin. Haiko mwisho. Si tu as la vallée. Kama wewe unakula bonde makushuka. La montagne. Basi mulima nayo iko hapo. Kipeni amen. Sema amina basi. La vallée c'est une étape. Muli bonde ni wakati. La poussière. Il est vumbi. C'est une étape. Ni wakati. Peu importe ce que tu es, tu n'es même pas encore au niveau de ces os-là. Ézéchiel avait parlé. Ézéchiel a dit. Et les os s'étaient rapprochés. La vie est venue. Et la prochaine fois, on les a vus, c'était une armée nombreuse au-dessus de la montagne. Je te dis, tu seras sur la montagne. Je te dis, la vallée, bonde, c'est une étape. Ni wakati ya kupita. Je te dis, Dieu te voit. Dieu sait. Et il a un programme. Il a un plan. Il a un plan. Iko na mupango. Pour toi. Juu yako. La pluie. Mvua. N'est pas éternelle. Haiko ya milele. Si y a la pluie. Kama kuna mvua. Il y aura le soleil. Basi jua iko. Sentinelle. Mulinzi. Qu'en est-il de la nuit? Eti kuna nini usiku? Sentinelle dit. Mulinzi akasema. Je vois. Naona, la nuit vient. Usiku mekaribia. Mais le matin aussi. Lakini asubuhi pia. Il n'a pas seulement vu la nuit. Ye mulinzi akona tu usiku. Mais le matin aussi. Lakini aliona pia na asubuhi. Alléluia. Amen. La colonne de feu est là, mais la nuit aussi. Nguzo ya moto iko pia juu la wingu la utukufu inayo iko. Nous sommes au temps du soir. Tuko wakati wa jioni. Mais il y a aussi le grand jour s'est levé. Même si y a les ténèbres, le matin viendra. Asubuhi itafika kabisa. Et quand la nuit devient très profonde, na wakati usiku inakuwa ndefu, et qu'on n'en peut plus, na uwezi tena, c'est le matin qui pointe. Sasa basi asubuhi ndio inakaribia. Amen. Amen. La prédication de l'alliance confirmée d'Abraham. Ile mahubiri agano ya kuhakikishwa ya Ibrahimu. Agano 78. Kifungo 78. Bien. Vizuri. Nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. Tuona kama ni vile vile leo. Quand on s'éloigne, wakati Ibrahim, quand on s'éloigne, wakati unaenda mbali, on devient froid et indifférent. Unakuwa baridi na mtu asiyeshughulika, asiyejali. Et on s'est établi sur cette montagne pendant 40 ans. Au lieu d'entrer dans la terre promise. Vous allez comprendre un peu devant là. Il montre les étoiles qui s'éloignent. Ça devient froid. Indifférent. Il ne faut pas s'éloigner des autres. Hapana kwenda mbali na wengine. La communion fraternelle. Ushirika kindugu. C'est un moyen pour les brebis de se réchauffer. Ni namna moja kwa makondo sipate joto. Ne sois pas égoïste dans la foi. Usikuwe mchoyo mwimani jamani. Ne t'éloigne pas. Usiende mbali. Parce que quand on s'éloigne, kwa sababu ukijenda mbali, vous devenez froid. Unakuwa mtu wa baridi. Et vous devenez indifférent. Na unakuwa wa kujiwazia. Ainsi, basi hivi, de la poussière aux étoiles. Kwenye udongo mpaka kwenye nyota. De la poussière de la terre dont nous sommes formés. Kutoka udongo ndio tulitengenezwa. Aux étoiles brillantes dans la gloire. Basi tutakuwa nyota zinaanga katika utukufu. De la poussière de la terre. Kutoka udongo wa dunia. Aux étoiles brillantes. Mpaka kwenye nyota zikianga.
dans la gloire. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ils brilleront comme des étoiles à toujours, à perpétuité, d'éternité en éternité. Daniel 12. Daniel sura 12. Pas seulement vous êtes les étoiles, mais vous devez briller. Lakini unapasha kuangaa kumeta meta. Oui, ndio jamani. C'est la promesse de briller. Ni malako ya kuangaa. À toujours, siku zote. Pensez-y simplement. Basi nyinyi mufikirie tu kidogo. Cette étoile du matin n'a rien perdu de sa beauté depuis que Dieu l'a suspendue là dans le système solaire. Elle n'a rien perdu de sa beauté. J'aimerais dire quelque chose ici. J'ai peur. Ça va, frère? Oh, eh bien, vous devez faire attention quand vous êtes, particulièrement avec les gens, ils comprennent mal. Eh bien, je crois que les trois personnes de la Trinité sont une. Comme nous le savons. Maintenant, je crois que si vous examinez bien, Dieu a eu trois Bibles. Bon, la première Bible qu'il a écrite, c'était dans le ciel. Le zodiac. Maintenant, je sais que vous pouvez aller à l'extrême avec ça. Vous allez à l'extrême aussi avec n'importe quoi. Mais, en réalité, si vous remarquez les zodiacs, comment ça commence? Ça commence. Le premier signe du zodiac, c'est la Vierge. Nibikira. Le dernier signe du zodiaque. Alama ya pili ya nyota. Le dernier signe du zodiaque. Ama alama ya mwisho ya nyota. C'est Léo. Ni Léo. Le lion. Ah, ni ile simba. La première venue. Ujio wa kwanza. Et la seconde venue de Christ. Na ujio wa pili wa Kristo. La première fois. Imani ya kwanza. À travers la Vierge. Kupitia kwanza mubikira. La fois suivante. Comme les lions de la tribu de Juda. Saisissez-vous les poissons croisés. Vous voyez, c'est dans l'âge du cancer. Ni wakati wa kansa. Tout dans le ciel. Yote katika anga. Un témoignage de Dieu. Zote vinatangaza Mungu. Certainement. Kikweli kabisa. Et le peuple de Dieu. Na taifa ya Mungu. Est appelé à lever les yeux. Inaitwa kuinua macho. Voyant que Dieu. Ukoona kama Mungu. Il vit dans le ciel. Anaishi katika anga mbinguni. Il a écrit la première andika Biblia ya kwanza. Et dans les zodiac. Na katika nyota. Tu es concerné. Wewe pia unahusika. Parce que tu es l'une des étoiles. Kwa sababu uko mmoja wa zile nyota. Comme tu es là. Kama vile uko pale. Tu as ton étoile là-haut. Uko na nyota yako uko juu sikia. Tu es la représentation d'une étoile. Wewe uko tu wakiwakilisha ama kuonekanisha nyota yako hapa yako mbinguni. Et je vais te dire. Na napenda nikuambie. Tu es ta propre étoile. Kama uko nyota yako wewe mwenyewe binafsi. Laisse-moi t'ajouter. Tatana niongeze. Tu dois briller. Unapasha kuangaa. Sikia. Si tu n'as pas brillé. Kama wewe huangai. Peut-être parce que tu t'es éloigné. Yawezekana juu uliena mbali. Parce que. Kwa maana. Il y a dans la galaxie. Kukatika ile galaxie. Les étoiles. Zile nyota. Capable de briller soi-même.
ziko na uwezo ya kuanga kwa hizo zenyewe. Mais quand vous regardez, lakini wakati ukiangalia vizuri, il y a d'autres étoiles, kuna nyota zingine, qui doivent se mettre en constellation, ndio zitajitia mkuambatana, pour briller, kusudi zipane mwangaza ama kuangaa. C'est profond. Kabisa ni kilindi. Peut-être que tu ne brilles pas. Nawezekana wewe huangae. Parce que tu es éloigné. Kwa sababu wewe uko wewe mwenyewe mbali. Alors je te dis, basi nakwambia, la parole prophétique, neno ya kinabii, aucun magicien, hakuna hata mchawi, ne peut voler ton étoile, anaweza kuipa ile nyota yako. Oublie ça, sahau ile kichwani mwako. Oh, il a volé son étoile. Aliba nyota yangu. Son étoile est utilisée. Nyota yangu iko natumikishwa. Non, ya bongo. Pas la tienne. Hapana yako. Et si quelqu'un a fait faux pas, na kama mtu mwaya alifanya mgumu mbaya ama kutembea vibaya, c'est la raison que tu ne brilles pas, na ikatuma yeye haangae, par la foi, kupitia imani, dans les messages, katika ujumbe, laisse-moi te dire, acha nikuambie, au cours de cette prédication, kupitia imahubiri, il doit te lâcher, anapasha kukuachilia kabisa, parce que tu es appelé, kwa sababu unaitwa kuangaa jamani. Je vais dire, si tes affaires ne marchent pas, ça va marcher. Je vais dire, si les choses sont bloquées, ça va être débloqué. Parce que Dieu commence dans les zodiacs et il amène sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné comment prier. Et quelque part, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Rien. Hakuna. Ne peut kinaweza changer, kupadilisha kile Mungu a programmé, alitangaza pour toi, juu yako. Ce que Dieu t'a vu, kile Mungu alikuona, c'est ce que tu vas être, cho kenye utakuwa. Et laisse-moi te dire, acha nikwambie, si ce soir, kama jioni ya leo, tu vis, unaishi, en dessous de tes privilèges, chini ya majaliwa yako, tu vis, unaishi, contrairement, kimbalimbali, à ce que Dieu t'a vu, kile kenye Mungu alikuona, que les choses changent, vitu vibadilike basi. De la poussière, kutoka udongo, aux étoiles, paka kwenye nyota. Amen. Amen. Et Fabana pour les zodiacs. Mais nous commençons à dire nyota. Les étoiles. Nyota. Qui forment les zodiacs. Anasema zinaungana. La première Bible de Dieu. Biblia ya kwanza ya Mungu. Vous avez vu. Muliona. Dans la première venue du Seigneur. Katika uchio kwanza ya Yesu. Les zodiacs a parlé. Nyota zikasema. Les étoiles. Nyota zikasema. Se sont croisées. Zilikumbatana. Ziliambatana. Zikakutanana. Ça a donné le signe. Zikapana alama. Au ciel. Binguni. Et quand le signe, na wakati alama, est projeté au ciel, inaonekana mbinguni, cela montre, inaonyesha kama, que la chose est sur la terre, kama kitu kiko kudunia. Il est sur la terre, iko kudunia, et il projette son signe au ciel, na pia anaonesha alama yake mbinguni. Et à la seconde venue, na kujio wa pili, lorsque le messager wakati est venu, mchumbe alikuya, la colonne de feu, sikia, nguzo ya moto, est aussi revenu, nayo likuja pia, les rouges gorges, Il est sont venus chanter. Shingo nyekundu zikakuja kuimba. Pourquoi? Kwa nini? Il a vu. Waliziliona. Le retour. Il est rutia. De la colonne de feu. Nguzo ya moto. Le Jésus du calvaire. Ule Yesu wa Kalvari. Qui est retourné dans la lumière. Alirutia katika nuru. La colonne de feu. Nguzo ya moto. C'est Jésus Christ. Ni Yesu Christ. Et il y a eu croisement des étoiles. Na basuko kwa kuambatana ya nyota. À nouveau. Ya mara pili tena. Sur la terre. Kudunia. Et vous allez voir dans Matthieu 24. Na mutaona katika Mathayo 14:14. Il est dit. Inasemekana. Le signe du fils de l'homme. Kama ile alama ya mwana wa mtu. Paraîtra dans le ciel. Itaonekana katika mbinguni katika anga. Le 28 février. Na ile tarehe 28 mwezi wa pili. À l'ouverture des sceaux. Ile kwa tamuri wa nyo. On a fotografié la nuée. Bakapana picha ile ungo. Dans le ciel.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Les signes Alama du Fils de l'homme dans le ciel. Oh, quand vous voyez les signes projetés, cela montre que lui-même est sur la terre et il projette son signe. Alléluia! Amen. La Vierge Bikir et le lion à la fin. Le lion. Ah, Nusimba ya mwisho. À la fin, c'est le lion. Kumwisho Nusimba, jamani. Au début, c'est la Vierge. Ya kwanza ni Bikira. La première venue. Ujio wa kwanza. Et la seconde venue. Ujio wa pili. La stature d'un homme parfait. Kimo kya mtu mkamilifu. Mahubiri. Paragraphe 233. Kifungo 233. Maintenant. Sasa. S'il vous plaît. Que sur bande l'on sache partout que je n'enseigne pas ceci comme une doctrine. Ce que je veux dire maintenant, mais je veux simplement vous montrer avec l'aide de Dieu ce que c'est vraiment. C'est que la première Bible que Dieu a écrite, c'était le zodiaque dans le ciel. Cela commence par une vierge. Cela se termine par Léo. Le lion. Simba. Et quand j'arriverai à ce sixième et septième saut, vous verrez ce qu'il en est. Mudaona ni nini? Il prend le sixième saut. Anabeba muri wa sita. Et le septième saut. Na muri wa saba. Il le place dans le zodiaque. Anaita katika nyota. Il dit. Anasema. Quand cet autre saut fut ouvert, le sixième. Wakati zile miuri zilifunguliwa. Muri wa sita. Les signes du zodiaque de cet endroit. Alama ya ile nyota ya ile wakati. C'était le cancer. Ilikuwa kansa. Les poissons croisés. C'est l'âge du cancer. A nyota nasema kesi kukumbatana wakati wa kansa. Les poissons croisés sont aussi un signe. Nyota samaki za kukumbatana za kuangambatana na ni alama. On n'a pas le temps de prendre chaque signe. Atuna wakati ya kubeba kila alama basi. L'âge du cancer. Kizazi cha kansa. Dans lequel nous vivons maintenant. Wa hapa tukonaisha sasa. Révélé. Basi, mekuja. Et la chose suivante que l'autre saut, une fois rompu, a révélé. Na wakati na kitu kingine ile muri ilifunuliwa kenye ilifungua. L'autre saut. Ile muri nyingine ile. Parce qu'il prend le sixième et le septième. Bai kuliko muri wa saba na muri wa sita na muri wa saba. Il dit le sixième saut quand il est ouvert. Anasema wakati muri wa sita ulifunguliwa. Dans le zodiaque. Katika anga. C'est l'âge du cancer. Ni kizazi cha kansa. Laodicée. Laodikia. Il dit mais. Anasema tena lakini. Dans le septième saut est ouvert. Wakati muri wa saba umefunuliwa. Le signe du zodiaque. Ile alama za nyota. C'est Léo. Ni Simba. Le lion. Simba. La seconde venue de Christ. Sikia. Ujio wa pili wa Kristo. Amen. Amen. L'ouverture du sixième saut. Mkufunguliwa kwa muri wa sita. Cancer. Ni cancer. Laodicée. Laodikia. Et l'ange a dit à frère Branham. Na malaika kama mbaye mnugu Branham. Si tu amènes les gens. Ukileta watu. A te croire. Kukuamini wewe. Rien. Hakuna kitu. Ne pas résister. Kitapinga. A ta prière. Maombi yako. Même pas le cancer. Sikia. Hata cancer haita subutu. Ce n'est pas seulement le cancer haiko, de la maladie. Haiko tu kasi ya magonjwa. Mais le cancer de l'âge. Lakini cancer ya ukizazi. L'incrédulité. Kutokuamini. Si quelqu'un. Kama mutu. Vit dans la Odyssée. Anaishi katika la Odikia. Il vit dans l'âge du cancer. Anaishi katika kizazi cha cancer. Il est dans le sixième saut. Iko katika muhuri wa sita. La tribulation. Ile kuteswa masumbuko shida. Mais lakini le septième saut muri wa saba dans le zodiaque katika nyota c'est le lion ni simba jamani la seconde venue ujio wa pili
Si quelqu'un croit seulement le septième saut, même s'il refuse de l'admettre, il croit à la seconde venue. Parce que le septième saut Ranam l'a placé dans le zodiaque au signe du lion. Ndugu Branham aliweka katika nyota ile wakati ama alama ya simba. La seconde venue. Ujio wa pili. Et si quelqu'un ne croit pas la seconde venue, na kama mtu amini ujio wa pili, il doit laisser le message. Anaweza kuacha ujumbe kabisa, acha ujumbe tu. Parce que frère Branham est venu, kwa sababu ndugu Branham alikuja, pour la seconde venue. Juu ya ujio wa pili. Il est Jean-Baptiste. Yeye ni Yohana Mbatizaji. Il est Eliezer. Iko Elisha. Il est le chef Eliezer. De moissonneurs. Iko le chef de moissonneurs. Ah, iko bwana mkubwa wa ile uzama. Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji. Ne pouvait pas. Hangeweza. Quitter la scène. Kutoka kwenye kazi. Avant de pointer. Kabla yeye hajashota kidole. Voici l'agneau de Dieu. Oneni mwanakondoo wa Mungu. Qui ôte les péchés. Yule anaye ondoa dhambi za dunia. Eliezer. Elisha. Eliezeri. Hangeweza. Abandonner Rebecca. Kuacha Rebecca. Dans le chemin. Katika njia. Sikia. Kabla yeye kumuonesha. Voici Isaac. Ona Isaka. Amen. Amen. Le chef de moissonneurs. Ule bwana mkubwa wa mavuno. Ne pouvait pas. Hangeweza. Laisser Ruth. Kuacha Ruth. Dans les champs. Katika shamba. Avant de le pointer. Kabla yeye kumuonesha. Sikia. Voici Boaz. Ona yule Boazi. Les parents. Ule rédempteur. Papa mukombozi. William Branham. William Branham. Sikia. N'a pas quitté la hangeweza kutoka kwenye kazi. He nous a pointé. Yeye alituonesha. Tala ni we. Katika wingo. Voyez-vous ses yeux. Oneni macho yake. Voyez-vous sa bouche. Oneni pasi ndevu yake. Voyez-vous sa bouche. Oneni pasi kinywa chake. C'est Christ. Ni Kristo. Alleluia. Alleluia. Aujourd'hui. Na leo. L'épouse. Bibi Agus. Est dans l'âge du lion. Iko katika kizazi kya simba. Dans la prédication. Katika mahubiri. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura 5. Deuxième partie. Sehemu ya pili. Le dernier. Paragraphe 209. Kifungo 209. Le dernier c'est Apocalypse 10. Mwisho wa Ufunuo 10. Le dernier. Wa mwisho wa c'est Apocalypse 10. OK. Ya mwisho ni Ufunuo 10. Un pied sur la terre. Mugu moja kwenye udongo. Et dunia. Un sur la mer. Na moja ingine kwenye bahari. Il n'y a plus de temps. Akisema hakuna tena wakati. La rédemption est terminée. Ukombozi umekamilika. Et maintenant il vient na, en tant que lion. Na hapa sasa anarudia kama vile simba. Il était alors l'agneau. Yeye alikuwa bele kondo. Et maintenant na hapa sasa il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Anarudia kama vile simba ya kabila ya Yuda. Quand vous croyez Apocalypse 10, fikia, wakati unaamini Ufunuo sura 10, vous croyez que le lion est venu. Unaamini kama simba isharudia. Or la venue du lion, japokuwa ujio wa simba, c'est la seconde venue. Ni ujio wa pili. C'est ce qui nous différencie de la vierge folle. Ndio kile kinachotufuatia umbali mbali na bibi harusi mpumbafu. L'épouse a son message. Je prends la prédication des sept âges de l'église. Nabeba mahubiri maelezo ya vizazi saba ya kanisa. Paragraphe 220. Kifungo 212. Et les étoiles. Na nyota. Il tient chaque étoile. Anabeba kila nyota. Maintenant regardez. Basi chunguzeni. Pouvez-vous juste arrêter une minute? Unaweza kusimama dakika moja. Je sais que j'ai environ 12 minutes. Na wasa nina dakika 12. Pour aborder cela. Kuleta hii. Si je n'arrive pas à lire autre chose. Kama sibasi kusoma vitu vingine. J'aimerais. Ningependa. Que vous saisissiez ceci. Muelewe hii kitu. Une étoile. Nyota. Était un ministre. Alikuwa muhuduma. Un ministre. Muhuduma. Ouin. Mupakaliwa. De l'esprit d'en haut.
Na ile roho ya juu. C'est une étoile. Ni nyota ile basi. Quand vous voyez un ministre au loin, wakati unaona mtumishi ama mhudumu anapakaliwa. De l'esprit d'haut. Na ile roho ya juu. Comme pasteur Gédéon. Kama vile mchungaji Gédéon. Il est une étoile. Yeye ni nyota. Et comme lui il a une étoile qui brille. Na kama vile yeye ni nyota inaangaa. Vous aussi. Nyinyi pia. Vous devez briller. Mnapasha kuangaa. Savez-vous ce que représente une étoile dans le ciel? Eti munajua nini inaonesha nyota juu ama mbinguni? Et chaque étoile du ciel, na kila nyota ya mbinguni, représente, inakuonesha wewe. Savez-vous que, munajua kama, Dieu avait dit à Abraham, Mungu alimwambia Ibrahim, que sa postérité, kama uzao wake, serait comme les étoiles du ciel. Itakuwa kama vile nyota za juu. Premièrement, kia kwanza, ils étaient comme du sable. Walikuwa kama vile mchanga wa bahari. Sur la terre. Kwenye udongo. Et ensuite, na kisha, la résurrection entre. Ufufuko unaingia. Ils étaient des étoiles du ciel. Wakakuwa basi nyota za mbinguni. Savez-vous cela? Unajua ile? Savez-vous que? Unajua kama? Jésus. Yesu. Était l'étoile brillante du matin. Alikuwa nyota ya kuangaa asubuhi. La plus grande étoile. Ile nyota kubwa sana. Par rapport à toutes les étoiles. Nyota zingine zote. Oh, c'est merveilleux. Eti jamaa mchabu sana. Notre Dieu. Mungu wetu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lui-même il est l'étoile. Yeye mwenyewe ni nyota. La grande de toutes les étoiles. Nyota kubwa ya nyota zote. L'étoile du matin. Nyota ya asubuhi. C'est Jésus. Ni Yesu. L'étoile brillante du nyota matin. Nyota ikiangaa asubuhi. Et William Branham. Na William Branham. Il est l'étoile. Yeye ni nyota pia. Le ministre wa muhuduma mutumisha napakaliwa. Il est l'étoile. Naye ni nyota. Vous aussi. Nyinyi pia. Vous êtes les étoiles. Muko nyota. Parce qu'il y a une étoile là-bas. Kwa sababu kuna nyota huko. Que toi tu représentes. Na wewe unayakilisha ama kuonekanisha hapa. Et vous êtes. Na muko. Les enfants de H-A-M. Watoto wa H-A-M. Quand nous lisons Abraham, wakati nasoma Ibrahimu, enlevez ta pensée, ondoa wazo lako, à Abraham, wa Ibrahimu, de l'Ancien Testament, wa agano la kale, lui, yeah, il était père des nations, sikia, alikuwa baba wa taifa, là-bas, kule zamani, lakini, aujourd'hui, leo, Dieu, Mungu, nous a envoyé, alitutumia, un autre, mtu mwingine, H-A-M, H-A-M. Amen. Et Frère Branham dit, manasema, vous êtes mes enfants. Muko watoto wangu. Je vous ai engendré. Mimi niliwaza. Alléluia. Alléluia. Et William Branham. Na William Branham n'était pas seulement béni. Hakubarikiwa tu. Mais il est devenu. Lakini akakuwa. Source. Chemu chemu. De bénédiction. Ya baraka. Il est dit. Anasema. Ceux qui croiront. Wale wataamini. A ce messager. Kwa umu jumbe. En qualité de son nom. Kama vile jina yake iko. Recevront. Watapokea. Les mêmes effets. Ile ile matukio. De son ministère. Ya uduma wake. Et ce qu'il écoute. Na wale watakamusikia. Seront. Watabarikiwa. Est-ce que vous croyez? Eti munaamini hilo? Alors, bas, laisse-moi te dire. Acha nikuambie. La poussière. Kama uvumbi ama udongo mchanga. Haiko. La fin de ta vie. Mwisho wa maisha yako. Si tu es dans la poussière. Kama uko katika udongo. Sachez que. Jua kwamba. C'est une période. Ni wakati. C'est une étape. Ni wakati ni muda. C'est un parcours. Hai ni sija kupita. Dieu. Mungu wako. A prévu. Alianda. Depuis les zodiacs. Kutoka nyota. Que tu vas aller. Kama wewe utatoka. De la poussière. Kutoka chini. Aux étoiles. Paka juu ya nyota. Alors. Sasa. Soyez béni. Barikiwa basi. Alors. Sasa. Commencez à briller. Anza kuanga. Partout. Fasi yote. Où tu es. Pale uko. Tu dois briller. Unapasha kuanga.
Les gens watu doivent témoigner. Wanapasa kushuhudia. Que réellement kama kweli tu as wewe uko na Mungu. Cela wale qui t'ont négligé. Wale kusarau. Va hocher la tête. Watainua kichwa. Kusudi wa kuchunguza kuangalie. Bwana Mungu awabariki.